super. Bonjour, moi je me présente Patrice Doiré, patron du bateau de pêche Le Triskel. Nous sommes l'équipage se constitue de 3 personnes. Nous naviguons à l'année et nous pratiquons la pêche à la palangre sur le littoral breton, de Belle-Île à Ouessant. Suivant les périodes et suivant la météo, nous naviguons toute l'année autrement. Alors nous, les espèces que nous visons principalement, ce sont le lieu, le merlan, la dorade, le bar et le merlu en saison. Nous pratiquons une pêche à la palangre. Nous sortons à la journée, c'est-à-dire qu'une journée de pêche se constitue de 3h le matin à 15h, 16h l'après-midi. Nous essayons toujours de vendre à la journée, c'est-à-dire de vendre un produit quasiment de frais et de qualité. D'ailleurs, c'est pour cela que nous nous sommes engagés à avoir un label sur notre poisson et à pincer notre poisson de manière à avoir une traçabilité et qu'une clientèle puisse savoir exactement d'où vient le produit qu'ils consomment. Donc nos journées de pêche démarrent sur les coups de 3h du matin. Donc nous faisons route pêche le matin. Et donc pendant le temps de route, nous mettons les appâts sur nos hameçons. Une fois arrivés sur les lieux de pêche, nous jetons nos lignes à l'eau. Nous attendons environ à peu près 2h, 2h30 le temps de pêche. Et nous reprenons la première ligne filée. Et donc le virage, en général, on commence à virer entre 8h le matin et 9h, pour terminer aux environs de 15h, 15-16h, suivant la pêche. Donc, les lignes sont relevées, et fur et à mesure que le poisson est embarqué à bord, il est traité aussitôt, c'est-à-dire étripage, lavage, glaçage du poisson, trié par catégorie, et pincé aussitôt suivant les tailles. Donc, est mis en glacier. Hein, voilà. Et donc, ce poisson est vendu soit l'après-midi ou soit le lendemain matin, suivant les endroits de vente où nous le vendons. Alors, tout ça dépend soit de la criée de Quiberon, la criée de Lorient, le Guy de Vinec et la criée de Saint-Guinolé à Pamard. Voilà, ce sont les 4 criées que nous pratiquons toute l'année. Voilà, bien, je viens de recevoir ce lieu jaune là en provenance de Quiberon. Donc, c'est un lieu jaune qui a été pêché par le Triskel, le bateau le Triskel. Alors pourquoi lui, pas un autre, ma foi, ça pourrait être un autre aussi, mais l'avantage de ce produit, c'est qu'on a une traçabilité impeccable, on connaît le bateau qui a pêché, même le pêcheur, on a ici, grâce au QR code qui est sur le PINS, toutes sortes de renseignements sur le pêcheur, et c'est fortement intéressant, et quant à nous, ça correspond tout à fait au type de travail qu'on fait, c'est-à-dire travailler en circuit court, avec de préférence des producteurs identifiés, des gens passionnés par leur métier. Le résultat, c'est un beau poisson, un lieu jaune à l'œil saillant, avec des ouïes bien rouges, avec une chair ferme, un ventre clair et propre. Donc ça, quand on a un poisson comme ça, on est ravi, on peut faire de la bonne cuisine.